Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Un autre piège de toi. Digne de toi, Reza Alarcon. Et de toi. Tu es sur le point d'embrasser ton cher amant. Oh, je ne sais pas ce que c'est, vous êtes si proches. C'est vrai. J'étais là, mais... Cette photo est un montage. Ce que tu veux refléter dans cette photo, jamais ça s'est passé, jamais je l'ai embrassé. Cette photo n'existe pas. Oh, Miranda, Miranda. Résigne-toi. Le chapitre de ton mariage avec Leonardo est fini. C'est ta réalité, et c'est pourquoi tu as recours à ces mensonges. Reza, c'est que toi et moi, nous sommes très différentes. Évidemment, tu n'es qu'une arriviste, sans classe. Évidemment très différente de moi. Car je ne vais pas me reposer jusqu'à t'avoir sorti de la vie de Leonardo, et ce quoi qu'il m'en coûte. Eh bien vas-y, essaye, toujours essaye. Fatigue-toi, fais ce dont tu as envie. Mais moi jamais. Je ne vais m'écarter de Leonardo. Oh, apparemment, la petite chatte des rues a des griffes. Oui, eh bien oui, j'ai des griffes. J'ai des griffes et je vais défendre mon bonheur avec Leonardo. Avec mes griffes, avec mes dents. Et tu ne sais vraiment pas de quoi je suis capable. Et toi non plus, tu ne sais pas de quoi je suis capable pour cet homme. Tu sais que ça ne m'intéresse pas. Tes petites photos ne m'atteignent pas. Tes petites menaces. Ok. Mais qu'est-ce que tu crois, pauvre idiote? Ah non, non, my God, non, 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 trop, c'est trop! Souvenez-vous que la violence est l'âme des sans-classe, et vous êtes une diva! Oh non, 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 non! Tu sais que j'en ai vraiment marre de toi, parce que je suis pas du tout une idiote! Oh, Leonardo ne va pas te croire quand je publierai ses photos! Quand je publierai ton sale passé avec Dario Antonetti. Écoute, Federico, je te demande de respecter Miranda. Hey, mais que t'arrive-t-il? Tu es devenu fou, non, quoi? Non, un petit moment, je suis pas fou, d'accord? Miranda, tu la respectes, un point, c'est tout, ok? Mais je n'ai pas voulu t'offenser. Ouais. Mais le fait de séquestrer une femme et de l'emmener sur un yacht, il faut être dingue pour faire ça. Écoute, toi tu t'occupes de Raisa, qu'elle me paye tout l'argent qu'elle me doit, d'accord? C'est elle la cinglée dans l'histoire. Et c'est pas mon problème si elle te traite comme un sale pantin. Un petit moment, arrête ça là. Si tu es chaud et frustré parce que tu n'arrives pas à satisfaire tes pulsions sexuelles, va et fais ça ailleurs. Moi, c'est pas mon problème. Ouais, il vaut mieux que tu disparaisses, c'est ça. Fais
ce dont tu as envie, d'accord ? Petite garce, tu ne vas pas m'embêter avec tes folies. Tu n'es qu'une sale petite garce, arriviste, paysanne. Et toi, tu es une folle qui se vante de tout, avec son insolence et son immoralité. Tu sais quoi ? Une fille dépitée. Quoi ? Je me moque, écoute, je me moque de tes photos. Je m'en moque de tes photos. Je me moque de tes menaces. Toi, ce que tu me fais, c'est pitié. Ah oui, 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 tu dois intervenir. Tu ne peux pas permettre que ta chef commette un homicide. Oui, je vais intervenir, oui. Les filles, ne vous battez pas par charité divine. Ah non, non, ah non, elle va la frapper. Quelle horreur, quel manque de classe. Ah non, je vais devoir y aller. Ça n'est pas l'ex de Lombardie ? Elle va arracher les yeux de la Miranda. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de parler avec Monsieur Leonardo Lombardi. Vous avez rendez-vous avec lui ? Non, mais je suis sûre qu'il me recevra. Désolée, madame, je ne crois pas. Il est sorti, là. Rita. Bonjour. Je veux pour demain, à la première heure, le rapport du complexe touristique de la plage. Comptez sur moi, monsieur. Docteur Lombardi ? Monsieur, la dame veut parler avec vous. Ce ne seront que quelques minutes. Madame, excusez-moi, mais mon épouse m'attend. Mettez-vous d'accord avec Rita, elle peut vous dire quand je serai de retour. Je suis la mère de Dario Antonetti. Rita, s'il te plaît. Oui, monsieur. Pardon. Écoute, tu peux la déchirer, la jeter et faire tout ce dont tu as envie, parce que j'ai des copies à volonté. Et moi, j'ai la colère suffisante pour ne pas me laisser pitonner par toi. Maman, ne vous battez pas, ne vous battez pas. Et moi, je m'en moque de ta colère. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, ok ? Oh, attends que je montre ça à Leonardo. Excusez-moi, mais vous êtes dans un lieu public. Tu ne comprends pas qu'il t'aime plus. Je le connais plus que toi. Je connais sa passion, ses jalousies, sa sueur. Bon, toutes les deux, vous le connaissez, ça c'est indiscutable. Écoute, tu as déjà perdu ton opportunité, ok ? Il a cessé de t'aimer. Bon, tout le monde s'aime, l'amour unit le monde, ne vous battez plus. Il va te cracher au visage pour ta trahison. Hein ? Chef, quelle terminologie est-ce là ? Moi, je vais quel lui prouver que toutes les femmes ne sont pas aussi garces que toi. Toi, ne m'insulte pas. Non, mais calmez-vous, s'il vous plaît, c'est pas possible, ne perdez pas le glamour, car ça ne se vend pas sur le marché aux légumes, ça suffit. Excusez-moi, madame, mais je suis très pressé. Mais docteur... Je ne veux pas être grossier avec vous. Écoutez un moment, s'il vous plaît. Je ne veux rien savoir de Dario Antonetti. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, dites-lui ça de ma part. Qu'il n'embête plus mon épouse s'il ne veut pas rencontrer un grave problème. Vous vous trompez en ne voulant pas m'écouter. Non. Celui qui se trompe, c'est votre fils. Ma femme mérite le respect. Vous avez compris ? Tu vas regretter de ne pas m'avoir écouté. Moi, dans cette vie, j'ai lutté contre beaucoup de choses, tu sais. Contre la jalousie, contre la misère, contre le besoin. Mais je me suis rendu compte du danger qu'est la menace de ta jalousie à toi. Et je suis prête à me battre pour ce qui est à moi. Ah, mais c'est que Leonardo n'est pas à toi. Il l'est. Comprends-le tout de suite. Tu l'as perdu parce que tu es une idiote, voilà. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, et ça je te le jure. Bon, écoute, nous verrons ça. C'est que tu ne vas pas pouvoir avec moi, parce que tu vois comme tu le vois, tu ne pourras pas être comme moi. Et encore moins dans son lit. Ah, pardon. Chef, ne soyez pas grossière, s'il vous plaît. Il faut que tu t'en rendes compte, je suis meilleure amante que toi. Oh, pardon à nouveau. Chef, le sexe est quelque chose d'intime. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît, reconsidérez votre lexique. Oh, allons, tais-toi, Grégory. Je crie si j'en ai envie. Je suis bien meilleure amante. Je suis bien meilleure femme. Et je suis meilleure qu'aucune autre. Reza Alarcón, allons. Ah ? Tu es devenue folle ? Eh bien, allons-y. Quel clown.
Qu'as-tu, mon amour? Tu es fâchée parce que j'ai beaucoup tardé? Non. Non, Leonardo. Ne t'inquiète pas, ce qui se passe, c'est que... Bon, l'enveloppe que t'as remise Reza était ouverte. Et je l'ai ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. Que contenait-elle? Tu ne vas pas te fâcher après moi, hein, dis-moi. Qu'y avait-il dans cette enveloppe, Miranda? Leonardo, c'est qu'à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait... des photos... des photos... intimes de toi et de Reza. Comment? Oui. Cette femme est hors de contrôle! Elle ne se respecte ni elle, ni personne! Bon, c'est que... le dépit amène à commettre ce type de folie, non? Tu ne crois pas? Mon amour, s'il te plaît, n'y porte pas la moindre attention. S'il te plaît. Tu as raison. Tu as raison, Leonardo. Il faut défendre, écoute, notre relation de tous les envieux, de tous les jaloux, de tous ceux qui sont contre notre amour. D'accord? Comment pourrais-je ne plus t'aimer, mon amour? Tu es si authentique, si forte. Et cependant... si tendre, si forte et si amoureuse. Allons-y. Cette sale garce va savoir qui je suis. Mais bon, allons, pour l'amour divin, chef. Acceptez une bonne fois pour toutes que la jeune fille s'est mariée avec le bel homme. Écoutez, acceptez-le. Et bon, terminez une bonne fois pour toutes d'avaler votre amertume, d'angoisser et voilà. Non. Qui a cru que cette fille, cette garce, non? Elle ne peut pas rivaliser avec moi, Grégory. Non. Dis-moi une chose. Avec quelle arme cette sale garce peut-elle me vaincre, moi? Bon, excusez-moi, chef, mais il faut reconnaître que Miranda n'est pas mal. Quoi? Bon, je veux dire qu'elle a ce qu'ont certaines femmes, qui est l'élégance, le charme, cette petite couleur de peau latine spectaculaire qui fascine les hommes. Mais qu'est-ce que tu dis? Si tu me redis quelque chose de semblable, je te renvoie, tu m'as entendu? D'accord, je ne sais pas ce qu'a le Lombardier qui les rend ainsi. Car il fait l'amour divinement. Ah, c'est un bon argument. Et en plus, je n'ai pas envie que cette débridée gagne la partie. Parce que, souviens-toi d'une chose, Grégory, je suis une femme. Moi. Tout ce que vous voudrez, mon amour. Si vous êtes la chef, vous commandez. Nina, Lucie, je veux que tout ça reste impeccable. Sans une seule erreur, c'est clair? Tant de luxe pour une pauvre. Mais que connaît-elle au cristal, au couvert en argent? Aux serviettes de soie. Bon, je te recommande de ne pas aller boire au déjeuner, parce qu'il doit encore te rester des vestiges de ta cuite d'hier soir. Ne m'ennuie pas, Rimena, s'il te plaît. Ne m'ennuie pas parce que je ne suis pas d'humeur. Eh bien, tu vas devoir donner une explication à Monsieur Leonardo sur ton comportement avec Saul hier soir. Ce jeune homme est insupportable. Saul et Rina sont comme les enfants de Leonardo. Cet idiot m'a manqué de respect. Tu lui en as manqué, toi, dans cette maison en arrivant ivre. C'est que je ne m'explique pas comment Monsieur Leonardo ne s'est pas rendu compte de ta conduite. Il est sûrement trop pris avec sa nouvelle épouse pour se rendre compte... de toi. C'est ce que tu allais dire, Fabiana. Tu es folle, vraiment. Tu es folle. Pourquoi Leonardo me jetterait de cette maison? Perfide. C'est ce que tu es. Une hypocrite. Range donc tout ça pour tomber dans les grâces de cette fille. Quelle lèche-botte tu es, Rimena. Oui. Et? Quoi? Quoi, Teresa Antonetti est venue te voir? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne l'ai pas laissé parler. Ah, heureusement, Leonardo, parce que cette femme me déteste, tu sais. Et elle va vouloir me porter préjudice envers toi. Jure-moi que tu vas rien croire de ce qu'elle te dira. S'il te plaît, jure-le-moi. Moi aussi, je vais te demander la même chose. Ne crois rien de mal sur moi. Aie confiance en moi. Bien sûr, mon amour.
Bon, Madame Pinzon, je trouve que mon père est beaucoup mieux, il me semble. Oui, oui. La récupération va lentement, mais sûrement. Écoutez, ayez vraiment confiance, vraiment foi, car il va s'améliorer. C'est ainsi, Monsieur Raimundo, comme je eh le bien, dis. Eh bien, écoutez, je m'attends à ce que, à n'importe quel moment, on le voit marcher dans le jardin. En faisant des blagues, comme toujours. Allez, courage, mon vieux. Tu es un chêne, n'oublie pas. La famille a tant besoin de toi. Nous avons tant à te dire. Pourvu que tu apprennes à pardonner, Raimundo. Parce que sans pardon, il n'y a pas d'arrangement possible. Maintenant, tu es à nouveau chez toi, d'où jamais plus tu ne partiras. Ah, c'est si beau. Je t'aime. Papa, c'est bien que je te trouve. Je voulais t'appeler pour t'inviter à déjeuner avec nous. Ça nous enchanterait que vous nous accompagniez, Monsieur Raimundo. Toi et moi, nous devons parler. Tu n'as pas dit bonjour à Miranda ? Pendant que toi, tu t'occupes seulement de tes problèmes personnels, eh bien, tu oublies tes obligations dans cette maison pour aller chercher cette dame. Cette dame qui, sans réfléchir, a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Tu es en train de manquer de respect à Miranda, papa. Eh bien, toi, tu manques de respect à toi-même. Excusez-moi. Attends un moment. Je n'ai pas l'intention de parler avec vous, monsieur. Ni sur ce ton, ni en ces termes. Eh bien ça, alors c'est un peu fort. Non, mais tu ne vas pas permettre que cette femme... Cette femme est mon épouse, papa. Bon, oui, bien sûr, mais elle n'a aucun droit de me parler ainsi. Toi, oui, tu as le droit de l'humilier. Elle n'est qu'un oiseau de passage dans ta vie, comme l'autre, ou peut-être pire. Parce qu'elle a un héritage de perfidie. Respecte-la, papa. Et n'interviens plus dans mes affaires privées. Mon fils, mon Dieu, si un jour, une fois, tu suivais mes conseils... Depuis très longtemps, je sais comment tu diriges ma vie. Et que ça te plaise ou non, Miranda est ma femme et la propriétaire de cette maison. Aussi, cesse de la critiquer. Cesse cette haine. Et n'oublie pas que si j'ai commis des erreurs, toi aussi, est très grave. Mais j'existe, toujours. Toujours. J'existe. Je n'oublie pas mon travail. Je n'oublie pas ma famille. Je n'ai jamais abandonné le travail ni la famille. Tu es en train de négliger tes enfants et tes neveux par-dessus le marché. J'ai le droit d'être avec ma femme. Je viens de me marier. Ah bien oui, bien sûr. Pendant que tu te consacres à gazouiller avec cette petite femme, eh bien dans cette maison, il y a des problèmes. Saul est un mauvais garçon. J'ai parlé avec le directeur du collège, papa. Mais non, sapristi ! Quel directeur de collège ? Mais c'est une affaire bien plus grave qu'une affaire de collège ! Quand sont morts mon fils et mon épouse, tu as assumé la responsabilité de veiller sur eux et de t'en occuper. Si tu ne veux pas le faire, si tu n'es pas capable de veiller sur eux et de t'en occuper, alors je me chargerai moi-même d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saul ? Bon, demande-le à Fabiana. Elle te dira pourquoi ils l'ont emprisonné. Vraiment ? Ça doit être horrible de dormir dans une cellule, non ? Non. Et tout ça à cause de cette ordure de Fabiana. Allons, Saul, je ne t'ai pas bien compris. Ne me dis pas qu'ils t'ont emprisonné ? Non. Allons, allons.
Je ne savais pas qu'on acceptait des reclus dans ce type de collège. Écoute, imbécile, ferme-la ou je te casse tes dents. Oui. Bonjour. Entre, Kunde Amor. Excuse-moi, Miranda, où est-ce que je pose les fleurs? Sur la petite table de nuit. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Tu as besoin que je t'aide? Non, sois tranquille, Kunde Amor. Elles sont jolies, ces fleurs. Merci. C'est une façon de te souhaiter la bienvenue à nouveau, Miranda. Je suis sûre qu'avec ton retour, tout va aller beaucoup mieux. Ah, jeune fille. Et comment vont Carlitos et les jeunes? Bien, bien. Les jeunes vont bien. De plus, ils vont beaucoup se réjouir. Surtout Carlito. Cet enfant t'aime tant. Il m'aime énormément et moi aussi. Écoute, comment vont Rina et Saul? Bien. En parlant de Saul, hier soir, il y a eu une sale dispute entre lui et Fabiana. Écoute-toi, reste tranquille. Parce que la prochaine fois, je te casse la figure et peu importe si on vient du lycée. Ça va, calmez-vous, non, non, c'est non, bon. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, Saul? Tu es devenu complètement fou? Tu sais une chose? Je te reconnais plus. Tu es devenu un marginal. Et ça, depuis que tu as commencé à traîner avec Vicky, cette marginale, je sais pas ce qui t'arrive. Oui, avec cette Vicky, qui est aussi marginale que toi, mon gars. Écoute-toi, tais-toi. Tiens. Arrêtez. Mais calmez-vous. Sortez d'ici. Arrêtez. Sortez. Saul, mais regardez ça, maintenant, il est arrêtez. En train de le frapper. Arrêtez. Calmez-vous, les gars. Arrêtez-le. Saul, j'attends. Sortez. Mais laisse-le. Lâche-le. Sortez. Arrête. Emprisonné. Mais ne t'inquiète pas, Miranda. Monsieur Raimundo est allé le chercher au commissariat et il est déjà au collège. Jeune fille, mais... Mon Dieu, Saul se met dans des problèmes. Les filles? Ah, mon amour, salut. Excuse-moi. Merci. Excuse mon père. J'en suis vraiment gêné, tu sais. Non. Ne t'inquiète pas, à vrai dire. Pour être honnête avec toi, je ne sais plus comment le traiter. Je sais que ce n'est pas facile. Papa est un homme d'un caractère très fort et autoritaire. Mais je suis sûr qu'il va céder. Et tu finiras par le conquérir. Écoute, bon, excuse-moi de lui avoir parlé ainsi à lui, mais j'ai mal répondu. Ça a été une réaction logique. Aussi, sois tranquille. Ne t'inquiète pas. Allez, appelle Vicky, Pura, ton ami, qui tu voudras. Pour qu'ils viennent manger avec nous. Je veux ton bonheur. Je suis si contente. Car maintenant, oui, je sais ce que c'est d'être réellement amoureuse. C'est bien que je t'ai trouvée. J'avais besoin de raconter ça à quelqu'un. Que tentes-tu de faire avec Leonardo? De calmer les aspérités. Dario est hors de contrôle. Bon, ne t'inquiète pas autant, car Dario sait parfaitement jusqu'où aller. Maintenant, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû aller parler à Leonardo. Teresa, Leonardo est complètement aveugle, amoureux de Miranda. Cette femme a réussi ce qu'elle voulait. Se marier avec un homme millionnaire et puissant. Ce que Dario... n'a pas voulu comprendre. Ça m'inquiète. Ah, Sonia, tu ne sais pas ce qu'implique vivre tout ça avec mon fils. Teresa, s'il te plaît, tu ne vas pas non plus te couper les veines. Dario n'est pas ton fils. C'est comme s'il l'était. Je l'ai élevé comme mon fils, Sonia. Ah, et ça m'effraie de penser que Leonardo Lombardi agisse contre lui. Cesse la surprotection. Allons, Dario... n'est pas bête. De plus, je pense que le plus important tout de suite, c'est son Grand Prix automobile. Donne-lui du temps. Tu verras que, dans son enthousiasme et avec le temps, le plus sûr, c'est qu'il va rencontrer une personne qui lui fera oublier cette obsession pour... Miranda. Ah, Sonia, il y a des choses que tu ne sais pas. Quelles choses ? Non, non, rien, rien. Oublie ça, oui. Ne fais pas attention à moi. Fabiana, que s'est-il passé hier soir avec Saul? Bon... il a été grossier, Leonardo. Lui, tu le connais. C'est un rebelle. Il est rentré tard, je l'ai réprimandé et il m'a manqué de respect. À moi. À vrai dire, c'est que je ne comprends pas, Leonardo. Je ne comprends pas pourquoi...
Alors que j'ai été comme une mère pour ses enfants. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. Non, mais enfin, tu sais très bien que j'ai contribué à toute l'éducation de ses enfants. Dis-moi pourquoi ils ont tant de haine envers moi. Alors que j'ai consacré une partie de ma vie à cette famille. Ils n'avaient pas à te manquer de respect. Bon, il est devenu nerveux. Il est devenu nerveux, nous nous sommes disputés, pardonne-moi, mais... Après, il est sorti en courant comme un fou à sa voiture et la police l'a arrêté. Alors, ton père est allé le sortir ce matin du commissariat de police. Je te jure que je te dis la vérité, Leonardo. Non, reste tranquille, je vais parler avec lui. S'il te plaît. Ce sera ma parole contre celle de ce morveux. Allô ? Miranda ? Ah, mon amour, je pars à la compétition. Ne t'inquiète pas parce que je reviens très bientôt. Et je voulais juste que tu saches que ce prix t'est dédié. Et voilà, je voulais aussi profiter de l'opportunité pour que tu m'excuses pour tout ce qui s'est passé dernièrement. Tu vois, ce n'a pas été mon intention. Miranda, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément besoin de toi. Tu me manques vraiment. J'ai besoin de toi, mon amour, j'ai besoin de toi. Et j'aimerais que tu comprennes que je ne peux pas supporter que tu sois avec un autre homme, c'est tout. Je peux pas supporter ça, Miranda. Je ne peux pas. Oh. Que veut cet homme, mon Dieu ? Détruire ma vie ? Tu es déjà prête ? Oui, mon amour, oui. Oui, je suis prête. Allons-y. Qu'est-ce que tu as, mon cœur ? Tu trembles ? Non, 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 rien, mon amour. C'est l'émotion. L'émotion de savoir que plus jamais nous n'allons nous séparer et que nous allons être toujours ensemble. Dario, pardonne-moi si je t'ai dit une idiotie au gymnase. Bah écoute, t'inquiète pas, Federico. Il ne s'est rien passé. Ce que je te demande maintenant, c'est de ne plus te mêler de mes affaires. Écoute, ce que tu as fait, de séquestrer une femme comme ça, ici, en douce, c'est un sale coup. Comment oses-tu, mon gars ? Par cette stupidité, tu pourrais être emprisonné pour tentative de viol. Contrôle-toi, allons. Je peux pas me contrôler, tu vois ? Je ne peux pas me contrôler. Jusqu'à ce que Miranda soit vraiment à moi. Je sais pas si tu me comprends bien, Federico. Écoute. Elle a cessé de croire en toi, et tu t'es fait passer pour mort, d'accord ? Non, 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 un petit moment, c'est une autre histoire, ça, c'est une autre affaire, tu vois ? D'autres circonstances totalement différentes. Écoute, j'aime Miranda, et je ne peux pas supporter qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, c'est tout, je serai pas tranquille tant qu'elle sera pas à moi. Bon, excuse-moi, j'ai un autre rendez-vous. Dis-moi s'il te plaît si ça n'est pas magnifique. Vraiment, on ne peut pas nier que tu es vraiment magnifique, Reza. C'est que j'imagine déjà la chef entrant triomphalement par ce podium, mettant tout le monde à genoux devant cette déesse de la mode. Et évidemment devant son designer exclusif, c'est-à-dire moi. Bien sûr, c'est que tu vas vraiment fasciner tout le monde à cette soirée. Ah oui, hein, tu vas faire sensation. Chef, allons, bouge-toi un petit peu, parce que là va arriver la jet set et tout le monde, tu sais. Pourquoi n'enlèves-tu pas définitivement le panier d'ordures, les Federico, les Leonardo, et n'obtiens-tu pas un prince charmant ? Et après, tu m'emmènerais avec toi. C'est que oui, voilà, comme pas ça, de c'est penser bien. À mon Leonardo. Encore un petit peu c'est plus. C'est un homme que l'on considère. Et je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que je revienne avec lui. Parce que Miranda n'est qu'un placebo. Et je suis sûre et certaine que lorsqu'il est intimement avec elle, il ne désire que moi. Bon bah alors, ils sont où là tous ? Enfin... Nous sommes prêtes, allons alors, ça va ? Voyons, comment me trouves-tu ? Tu es très belle, comme toujours, mon ange. Ah, merci, Pura, toi aussi. Merci. Écoute, Nacho, va chercher Cayito et dis à Jasmina que nous sommes prêtes. Je ne veux pas faire attendre Miranda. T'y vas, toi, tu vas, toi, ou moi. Ça va.
Oui, mon garçon, car okay, il est tard. C'est bon, j'arrive. On y va. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Mais non, mon pote, c'est que tu vois, ma sœur s'est pas vraiment rendu compte que celui qui commande ici, c'est toi. De plus, tu crois vraiment que Yasmina va se laisser amadouer par ce type, là? Ce taré, là? Et moi, je vais pas laisser ce petit médecin gagner la partie, alors. Voilà. J'ai dépensé trop de salive en tombant amoureux de ta sœur pour qu'il vienne lui et prenne ma place ainsi. Non. Alors? Non. J'espère que ce type n'est pas dans cette maison. Pedro Garcia, là. Voilà, du calme, de Cali, il est pas là. Ce type est avec sa femme, tranquille. Non, mon gars, ce qui se passe, c'est que non. Aïe. Et en parlant de ta sœur, regarde quelle beauté de femme. Eh ouais. Quel canon. Allez, quelle superbe peu, femme. Ouais, Yasmina, cette beauté, je la porte moi. À moi, ce luxe, personne ne me l'enlève. Ah, Théo, c'est exagéré. Exagéré, c'est toi, mon amour. Exagérément belle. Ce que tu ne comprends pas, que pour un simple mortel comme moi, c'est un plaisir d'emmener une déesse comme toi, mon amour. Vas-y, passe devant, mon cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment galant aujourd'hui. Les jeunes, on y va avec Théo, montez. Oui, oui, dis-lui que nous allons ici avec Manolo, hein? Manolo, si tu veux, j'y vais avec Théo et Yasmina. Non, mademoiselle. Non, parce que vous venez avec moi, tu vois. Écoute, je t'avais jamais vu ainsi, si... Ainsi. S'il te plaît, Manolo, ne te moque pas. Ah, je me moque pas, Purita, je te jure. Je me moque pas, c'est sérieux. Il faut pas que le petit portugais de la boulangerie... Tu vois, il est fou de toi, ce type. Alors, il va venir te voir et... Ah, n'exagère pas. Mais non, j'exagère pas du tout. Je parle sérieusement. Je te trouve vraiment... Tu vois, t'es très jolie, là. Et... Mais bon... Sans les lunettes, peut-être qu'on verra encore mieux. Ah non. Tes jolis petits yeux, ils sont si beaux tes yeux, tu vois, je vais enlever tes lunettes. Voilà, comme ça, tu vois. T'es tellement belle. Bonjour mon oncle. Salut mon amour. Changez-vous, car la famille de Miranda vient manger avec nous. Oui? Non. Ah c'est bien mon oncle. J'ai déjà appris que vous vous êtes réconciliés, et vraiment je te félicite. Miranda est la femme que j'ai toujours voulu pour toi. Saul, nous devons parler de ce qui s'est passé entre Fabiana et toi. Écoute, tonton, ne me parle pas de cette fille, s'il te plaît. Nous en parlerons après, ok? Je ne veux pas voir cette commère. Claudia, je ne peux pas m'occuper de toi maintenant. On m'attend chez Leonardo. Et pourquoi moi, je ne peux pas t'accompagner, Germaine? Germaine, je suis ton amie. Je suis ton amante. Écoute ce que tu voudras. Mais ce n'est pas très correct de ne pas m'avoir invitée, tu sais. Ce qui se passe, c'est que tu me tiens asphyxiée avec ta persécution. Je ne comprends pas comment une psychiatre comme toi ne peut pas comprendre que cette pression constante d'une femme envers un homme l'accable. Tu es même devenu grossier, Germaine. Grossier, non. Mais sincère. J'en ai assez de toi avec ta persécution. Germaine. J'ai besoin que Leonardo me signe ces documents. Tu peux l'appeler? Eh bien, il faudra revenir plus tard, parce que Monsieur Lombardi est à un déjeuner avec son épouse et des invités. Avec son épouse? Avec son épouse. Ils se sont réconciliés? Oui, c'est ça. Par chance, les choses sont revenues à la normale dans leur couple. Germaine, je te parle! S'il te plaît! Par chance. Claudia? De quoi je me mêle? Claudia! Germaine, attends, Germaine, nous n'avons pas terminé de parler, fais-moi la faveur... Alors d'accord, Claudia. Tu sais très bien comment est la situation entre Leonardo et ta sœur. Alors écoute-moi. Je ne vais pas t'emmener là-bas, en sachant que ça ne va pas plaire à Miranda. Miranda? Jusqu'à quand, cette femme? Moi, je ne sais pas, elle me semble être un personnage public. Et tu veux que je te dise quelque chose? Ce n'est rien de plus qu'une fille ordinaire! Et le pire... C'est que tu es toujours gaga devant elle. Tu es aveugle, Germaine. Miranda est l'épouse de mon cousin et je respecte ça. Et quant à toi, tu devrais avoir un peu plus confiance en toi. Ciao. Du calme, Claudia. S'il se passe quelque chose ici, je suis là pour te défendre, ok? Viens. Vous avez la tension un petit peu haute, monsieur. Mais ne vous alarmez pas, ça n'est pas si mal. Cette tension, c'est à cause de ce qu'il y a là-dehors. Avec le petit problème de Fabiana et Saul.
Cette Fabiana est une sorcière. Une sorcière qui s'enivre continuellement et en cachette. Grand-père chéri. Salut, comment vas-tu? Comment va-t-il? Ah, bien, plus ou moins bien. Oui, ça veut dire qu'alors vous pouvez le descendre, car nous allons avoir un déjeuner familial. Je crois que non, parce qu'il a la tension un petit peu haute et je préfère qu'il reste ici à se reposer. Oh, mais je le trouve très bien, moi. C'est ainsi, madame, il va très bien, mais... Grand-père, je suis revenue parce que je vais rester et je vais faire valoir mes droits. Bravo, vraiment bravo. Allez, on fait ainsi. Et ne te laisse pas faire, Miranda, ma chérie. Défends-toi comme une lionne, comme une Lombardie que tu es. Sors ce serpent de Fabiana d'ici. Bon, grand-père, vous savez ce que je vais faire? Je vais descendre et ensuite je viens avec le dessert. Et nous continuerons à parler, ok? Je t'aime beaucoup. Bon, ciao. À bientôt, jeune fille. À bientôt. Moi aussi, je t'aime beaucoup, ma petite. Oui, que Dieu te bénisse. Comment ça, tu ne viens pas, Eloïsa? Si maintenant nous sommes tous ici, et que vient la famille de Miranda et quelques-unes de ses amies... Excuse-moi auprès de Miranda, mon frère, mais je ne peux pas y assister. Je n'ai pas terminé la consultation. De plus, il va y avoir cette femme. Quelle femme? Celle qui est en train de me prendre mon mari. Cette Yasmina. Salut, Pedro. Oui, l'ami de Miranda. Madame Lombardi, c'est un plaisir de vous revoir ici. Oh, merci, Pedro. Qu'est-ce que ces fleurs sont belles. Excuse-moi. Miranda, tes invités sont là. Ah, c'est bien. Si tu veux, je les mets dans l'eau. Merci, Gundeamor. Pardon. Merci. Oh, Vicky, comme tu es belle. Tu as mis toi la clé. Merci, toi aussi, jeune fille, plus belle que jamais. C'est l'amour qui te tient ainsi. Oui, je pense que c'est ça. Oh, salut, c'est bien que vous soyez vraiment tous venus. Oh. Bonjour, bonjour. Ah, tu mérites tout ça. Tu es si belle. Oh. Bonjour, Imena, comment allez-vous? Très bien, madame. Merci. Je suis tellement contente de vous voir. Leonardo. Salut, Sonia. Comment vas-tu, très chère? Bien. Ah, sapristi. Je suis arrivée à un moment peu opportun, non? Bon, excuse-moi de m'être présentée ainsi, mais c'est qu'il est urgent que tu signes ces documents. Très bien. Allons dans mon bureau, s'il te plaît. D'accord. Bon, je ne sais pas si tu te souviens, mais ce sont les termes sur lesquels nous étions tombés d'accord avec la Cannes Company. D'accord, je te les signe. Mais bon, et qu'est-ce qui s'est passé, mon garçon? Ce pavillon, il est pas si mal, non? Bon, il n'y a rien de comparable avec la demeure des Lombardies, ça c'est sûr. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai le foie tout retourné rien que de penser que Yasmina va se retrouver avec le petit médecin là, dans la maison de Miranda. Allez, mon pote, du calme, du calme. Du calme, tu vois, je vais prendre les cartes en main. Je vais affronter ce petit médecin, tu vois. Je vais l'affronter, moi. Et je vais lui dire qu'il me dise face à face quelle est l'histoire qu'il veut avec ma sœur. Toi, tu te calmes. Je m'en occupe, moi. Ah non, mon amour, c'est que sortir avec la chef est un stress. Maintenant, elle passe son temps à se donner en spectacle dans la rue, à coups de griffes et en poussant des cris. Ah, c'est très laid, mon amour, une horreur. C'est beaucoup de choses. Elle est obsédée par son mari. Et par ses millions aussi. Moi, sincèrement, mon gars, je ne comprends pas très bien cette histoire d'obsession parce que Dario Antonetti est pareil avec Miranda. Mon Dieu, Miranda! Miranda! Oh, mon cœur, fais-moi une petite faveur parce que je ne trouve pas un tissu que j'ai là-bas en haut au magasin. Et au passage, tu m'apportes deux petits cafés, merci. Je vais te dire quelque chose. Cette Miranda est bien. Et la chef la craint. Parce que sinon, comment expliques-tu
autant de crises. Oh, c'est le reflet de ses craintes. Mais je l'ai toujours dit, Grégory. Miranda est très bien, une femme attirante, intelligente, qui est bonne, il faut être clair. Mais les femmes affluent dans ce monde. Et pour Dario Antonetti encore plus. C'est un type célèbre, sportif international. Les femmes de toutes les nationalités tombent pour lui. Grecque, française, italienne, japonaise. Oh, qui me verrait moi avec une geisha? Ah oui, qui te verrait ainsi? Les femmes, Grégory, sont un besoin sexuel. Si la chef t'entendait, c'est ce que tu penses aussi d'elle? Que c'est un besoin sexuel? Et quelle autre chose pourrait être cette pauvre folle? Elle est un tourbillon passionnel. Une folle divine. Et point. Rien d'autre. Oh, madame, bienvenue. Salut, Rimena. Et Carlitos? Maximo l'a emmené à son entraînement de football. Allez, maintenant, va te changer, ma petite reine, et mets quelque chose de très joli et de rafraîchissant, d'accord? Permets-tu. Je t'en prie. Ah. Et ici, que célèbre-t-on? Mais qu'est-ce que c'est, Leonardo? Une fête de réconciliation? Je ne crois pas que cela te regarde, Raisa. Et tu ne devais pas aller chercher Karina. C'est de la responsabilité de Maximo. Oh, mais pardon. C'est aussi mon obligation, Leonardo. Quel est ton problème? Je suis allée récupérer notre fille au collège et je la ramène saine et sauve. Au revoir, Raisa. Quel dommage! Une maison si jolie et si élégante, changée en ça. Un rassemblement de gens de mauvais goût. Tu te trompes beaucoup, Reza Alarcon. Je suis la maîtresse et dame de cette maison. Ces gens de mauvais goût, ce sont ma famille et mes amis. Ok? Et je n'accepte plus de toi, ni d'insultes, ni de coups en plus. Alors tu t'en vas immédiatement de cette maison. Je l'exige hors de cette maison. Va-t'en! Va-t'en de cette maison! Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Vengo del tiempo que nadie calcula, vengo moldeando una luna perdida,
Si con mi voz puedo cerrar tu herida, que esta garganta sea tuya y no mía. Vengo queriendo enamorarte sin estrategias, sin avisarte, pondré picante.